Hey yo les amis, bonjour à toutes et à tous, Johan pour Nova Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PO, encore une, vous allez me dire, eh oui, j'adore ça, j'y peux rien. Mais en fait, cette astuce-là vous permet quand même de farmer très très gros. Alors quand je dis très très gros, c'est surtout sur le prix de la vente que vous allez être amené à occasionner un petit peu. Parce qu'en fait, ce qu'on va venir farmer aujourd'hui, c'est une mascotte, le dragonnet de bronze, me semble-t-il. J'ai plusieurs points de spot. Alors le voilà, je vais vous le montrer. Voilà, je l'ai ici. Vous voyez, c'est cette petite boîte scellée qui va être vendue. Vous voyez, je n'invente rien. 20K actuellement. 20K la boîte sur mon serveur. Et je veux dire, je suis sur Isonde, à savoir un serveur PVP, essentiellement PVP. Donc sur vos serveurs, ça peut se vendre de manière exponentielle. Tout comme ça peut être vendu de manière un peu moins chère, malheureusement. Alors je ne vais pas entendre le truc du roux. Ouais, non, mais ça marche pas et ça et ça. Les amis, j'ai jamais dit que j'étais le plus riche du jeu, du monde ou autre. Je viens là vous proposer des astuces PO. Donc ceux qui ne sont pas contents, je vous invite à passer votre chemin. Le point de spot principal se trouve ici. Vous voyez mon point sur la carte, c'est ici qu'il faut aller. Sincèrement, c'est un super point de spot. Et je vous recommande la donne Cross Realm Assist avant que Blibli ne change un petit peu son fonctionnement, parce que j'ai eu des petites nouveautés quant à ça. Voilà. Donc il vous faudra tuer ces personnages-là. Alors ça va très très vite, vous vous placez ici, vous faites de l'AOE et vous faites du spawn kill. Donc dès que ça arrive, vous tuez tout ce qui spawn, voilà, et vous lootez. Donc si je ne me trompe pas, la boîte tombe de l'ordre de 0,3%, quelque chose dans ce genre-là. Faites le calcul pour arriver à 100%. Il faudrait être, faut vous en tuer à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, pas mal, pas loin des 300, voilà. Voilà, en fait, comme moi, vous voyez, vous switchez d'un serveur à l'autre et vous faites de la razzia, de la razzia, de la razzia. Moi, j'ai farmé ma première boîte en à peu près 25 minutes. Ça m'a coûté 25 minutes de mon temps, mais je vais vendre la monture entre 10 et 15K, je pense. Pas la monture, pardon, la mascotte. Voilà. Donc, vous continuez, vous faites ça. Ça, c'est le premier point de spot. Je vais vous les présenter tous les trois, comme ça, vous allez voir un petit peu si c'est trop engorgé. Vous pourrez comme ça se changer et aller dans une autre zone. Alors profitez-en avant que la vidéo soit vue, épurée et revue, parce que je pense qu'après le coin va être vraiment blindé. Ce sera peut-être même l'occasion pour les hors d'eux de venir affronter un peu les membres de l'Alliance et pourquoi pas organiser des batailles. Bref, je n'en dis pas plus. Je continue un peu pour vous montrer l'astuce. Vous voyez, je rejoins les groupes et je ne fais que de faire des sortes d'AOE pour farmer juste derrière. Donc vous voyez. Je loot, donc ça tombe pas tout le temps, je vous dis, ça peut être très lent comme ça peut être très rapide, tout dépend de la chance, tout dépend de plein de paramètres, voilà. Donc vous avez déjà la zone, c'est l'essentiel les amis. Ok, donc ça c'était vraiment bien pour la première zone. Je vais maintenant, oui, attendez, je regarde juste quelque chose. Faut pas oublier de ramasser ce que vous tuez, ce serait bête que sur un personnage vous en oubliez un et ce soit celui qui loot la boîte. Voilà, le deuxième c'est pas plus loin qu'ici, vous allez dans cette grotte, dans cette mine, c'est plus une mine qu'une grotte. Vous descendez, vous longez le long comme je le fais, hein, à moins que vous voulez faire du trash mob, vous pouvez le faire aussi. Hein. Mais moi perso, je préfère aller dans les endroits où ils sont masse, genre ici, vous voyez. Donc là, il y en a 5, 6, 7, 8, il y en a 8. 8 par 8, ça va très très vite, hein, vous voyez. Hop, d'autant qu'il tombe très facilement. Faites-le, il est bien de se remplir les poches avant la nouvelle extension. Je pense que ce ne sera pas une mauvaise chose, ça peut être qu'utile d'avoir des PO. Et franchement, profitez-en. D'autant que, comme j'ai compris, le nerf va subir également. Le nerf, je raconte n'importe quoi. Le fief va subir également un nerf au niveau des chasseurs de trésors, mais ça j'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc là vous avez le second point de spot, et je vais vous montrer maintenant le troisième. J'aime bien me battre en forme d'ours avec eux maintenant, je sais pas pourquoi. Depuis que ma macro je l'ai bien reconfigurée et qu'elle fonctionne beaucoup mieux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le guide qui est sur la chaîne. Donc c'est parti, je continue à nettoyer. Hop 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 hop, on sait jamais des fois que je loot encore une boîte, hein. On a le droit de rêver, non? Alors pour l'instant c'est vide, mais je vous assure que ça se remplit très très vite, hein. Notamment au niveau de, vous allez voir des hors 2 et tout, préparez-vous à vous fighter. Voilà, je vais vous montrer maintenant le troisième point de spot. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi je connais ces trois là et perso ils fonctionnent plutôt pas mal. À savoir que j'ai looté ma mascotte moi dans la troisième zone, donc à fort au Krilan. Donc c'est le côté hors 2 là, attention, méfiez-vous. Mais là regardez voir ça, un régal pour les yeux, tout comme un régal pour le kill. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a plus de 10, donc c'est 10 par 10 que vous allez les tuer, vous voyez, allez voir ça. Bam, 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 vous faites de la razzia et vous continuez le travail. Voilà, et ce, dans la joie et la bonne humeur, hein, toujours, hein, sans jamais désespérer, voilà. Donc n'oubliez pas, je répète, l'addon Cross Realm Assist qui vous permettra de switcher de serveur. Faites bien le leave group à chaque fois que vous avez fini de tuer
un groupe de mobs, histoire de bien quitter le groupe actuel et pouvoir en rejoindre, bien entendu, un autre. Voilà. Et non, j'en ai pas eu. Ce n'est pas grave. Toi, tu vas pas m'échapper. Viens là. Ah, je les loot tous, moi. Je suis vraiment sans pitié. Ok. Et bien voilà, les amis. Ma petite vidéo arrive à sa fin. Petite astuce PO, encore une fois de plus. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. On laisse un petit commentaire qui fait super plaisir. Enfin bref, le restant, vous le connaissez. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Je vais aller vendre ma boîte, là. Ouais, je vais aller vendre ma boîte. Je vous dirai comment j'ai fait de PO. Allez les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.